Bonsoir. Bonsoir. De retour, je l'avais dit, je l'ai fait, je suis là. Pour plus de Monkey. Go back to Monk. Pour plus de Monk, où on va chasser toutes les créatures de la forêt et on va toutes les buter. Dans cette partie où je triche comme un cochon et pas un monk. Voilà. Pas plus d'explications, voilà, c'est juste go back to monk. Je reprends là où j'en étais cet après-midi. Essayez d'évoluer. Alors attends, faut quand même que je me dise qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Parce que je me rappelle plus de ce qu'il faut que j'améliore. Je crois qu'il faut que je sois offensif encore. Ça, c'est génial. Ça. La préparation d'attaque spirée contre un type d'adversaire, d'accord. Donc faut que je me batte plusieurs fois contre un truc. Là, il faut une mutation. Là, faut que je me batte. Un instant combatif maximisé et que l'entraînement soit suffisant. Potentiel de croissance, accéléré dès que la vitesse des attaques et des esquives sera maximisée. Tout à fait. Donc en gros, offensif. Faut être offensif. Là, il faudrait que j'esquive un petit peu. Là, il faut que... Alors, face à une menace, c'est la capacité d'esquive, c'est vrai que l'entraînement est suffisant. Oui, il faut que je tienne des objets en esquivant. Peu importe quoi, faut juste que je tienne des objets. Non, c'est le dosage de force. Là, c'est un machin... Il faut que la force, la dextérité soit assez développée, potentiellement. Ça, il faut que je fasse plus de choses sans outils. Une altération sans outils. Là, il me faut une mutation. Là, il faut que je porte des objets à deux mains, mais j'en ai pas beaucoup. Là, il faut une mutation. Il faut que je marche beaucoup en eau peu profonde. Là, détecter des sons. Là, une mutation. Là, identifier divers sons menaçants. Là, identifier des odeurs. Là, identifier des odeurs. Là, identifier rien parce que c'est un boost génétique. Mutation. Ah, ici, il me faut juste plus d'entraînement. L'intimidation en groupe. Bon, je ferai ça plus tard quand je serai en groupe. Ouais, donc un peu d'offensif, un peu d'esquive, un peu de truc à une main. Alors, attends. Excuse-moi. Faut que je me remette au jeu. C'est bon. Bon. Est-ce que je me suis donné quelque chose à faire? Non. C'est pas grave. Alors, trouvons un objectif. Qu'est-ce qui est pas trop loin de moi? Qu'est-ce qui est pas trop loin de Bibi? Celui-là. Voilà, on va aller visiter ça. Ladidadidadou. Ladidadidadou. Niveau odeur. Faut que je capte plus d'odeurs dangereuses, je crois. Et niveau odeur normal. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Là, j'arrive à capter plein d'odeurs. En train de me faire chier. Niveau son, il y a un truc dangereux par là. Un serpent. Faudrait que je me serve du serpent pour faire des esquives. Vas-y, vendu. Faut que je fasse des esquives avec des choses dans les mains. Thank you.
Vas-y, viens me voir, viens me voir. Pas perdu les objets, yes. Pas perdu les objets. Faut l'entraîner, faut s'entraîner, hein. Merde, j'ai perdu les objets. Merde, j'ai perdu les objets. Ils sont où? Mes objets? Excuse-moi, il y a des choses à moi par terre. Voilà, ça c'est à moi. Garde-les dans les mains, garde-les dans les mains. Je verse ça là, je vois mieux ce que je fais. C'est bon, j'ai fait beaucoup d'esquives là à un moment. Travailler l'esquive, c'est bon. Hein. Allez, vas-y, attaque. Parce que là, à un moment, faut y aller, hein. Faut attaquer. Reviens! Come back. Come back to daddy. Y a un deuxième derrière. Putain, mais le neuron là, il veut, le neurone il veut pas s'activer hein. Vraiment pas. Hein. Non mais c'est incroyable que ça veut pas s'activer. Moi qui est fou quand même. Alors à moins que vraiment sur un malentendu je suis obligé de faire un machin. Attends. Par là, c'était par là. Ok, on va jouer. Vas-y. Vas-y, viens. Tu me poursuis ou pas? Tu me poursuis, bien. Une branche. Bah. Je viens de voir un serpent là-bas. Ah, il s'est enroulé, c'est pour ça. Bah. Non, si, c'est pas celui-là. Je suis en train de l'emmêler. Regarde.
Hop, je fais ça, hop, je fais ça, il s'enroule. Il s'enroule, ce petit con. Il y avait des branches, quelque part. Où est-ce que c'était? Oui, plein de branches. Là, j'ai des branches mortes sur celui-là, ok. Faire des branches, hein. Branche. Où est-ce qu'il y a des branches mortes là? Non? Ah, j'ai cru. Plus si je l'analysais, ça. T'aimes pas le manger? Bah si, t'aimes le manger. Merde, où est-ce qu'il y a des branches? C'est pas ici? T'es où? T'es pas dans cet arbre. Me trompe? Je me trompe. Le serpent de mort. Il est là. Il se barre. Bon. C'est que ça va. C'est qu'il a lâché l'affaire. Non, pas que je veux pas, c'est juste que je veux être tranquille pour vérifier l'info. Est-ce que... De l'esquive là. Celle-là, je devrais. Ça devrait, et ça aussi. Bon. Peut-être en faisant d'autres adversaires. Des branches, du coup. Des branches. Est-ce qu'il y a des branches pas loin? Wallis blanche. Il est où le deuxième? Et là... Finir celui-là quand même. Je vais commencer à le faire, hein, autant le finir. Par contre, il me faut une fucking branche. À tailler. Où est-ce que je peux trouver ça? Trop de serpents dans le coin. Pas assez de victimes. Too much snake. Faut que je trouve plus de bois. Où est-ce qu'il y a du bois? Ah, il y a les œufs ici. J'adore ce power move de bouffer les œufs. En mode, quoi? Tu crois que ça me pose problème? Je vais manger tes bébés. C'est ça la nature. La nature c'est hardcore. C'est tu te fais bouffer un singe par un machin? Les singes bouffent tous les œufs. Par contre une branche ce serait pas un luxe. Une branche ne serait pas un luxe. Clairement. Bien. Pratique, je sais absolument pas où trouver des branches. J'en trouve.
Mon neveu, faut que j'en trouve. Bon, c'est juste pour faire les stats. Mais par contre, il n'y a pas de fucking branche et ça, ça me tue. Faut une branche quelque part à un moment. Quand même. Moi et mon émeraude, on en a marre. Là-haut, il y en a peut-être une. Je sais pas. Non, il n'y a pas une fucking branche morte. Putain, c'est fantastique d'avoir zéro branche nulle part. Comme fantastique, moi je dis. J'ai zéro branchage. Alors j'ai des rochers, des machins, mais une branche pour me faire une arme, c'est Podzob. Zebi. Dingue ça, qu'il n'y ait aucune, aucune branche. Bon allez, on affronte sa peur. Allez, analysons plein de bordel. Comme ça, ça va me mettre de bonne humeur. Maintenant, il faut que j'aille là-bas. C'est super loin. Allez, on rationalise la peur. Triomphons de la peur. Hominidé courageux. Le triomphé de l'inconnu 5 fois. Ah, encore un serpent. Mais il y en a une tonne. C'est impressionnant ce qu'il y en a. Il y en a... Ah, c'est nouveau ça. Non, je le connais déjà. Ah non, je dois déjà le connaître. Fantastique de ne trouver aucun branchage. Fantastique. Genre j'en trouve zéro. Ah si, il y en a plein ici. Oh là. Eh, tes œufs. On a foutre. J'avais faim. Ah, des œufs de serpent. Miam. Yeah boy. Déjà bouffé? Oui, j'ai déjà bouffé, c'est vrai. Bon. Allez. C'est l'heure de finir ça. Tiens, nouvelle découverte sauvage. Mâchoire et don blanc. Bon alors? Péteux. Le petit péteux. Il fait dans son froc, le petit. Ah, encore un peu. Bientôt fini.
Eh bah, pouf. Bon, ici, il y a plein de machins. Is nice. Serpent est là. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres choses. Alors je suppose que c'est plus le même, mais bon, on va se le faire parce que on est là. Voilà. Monsieur le cerf, monsieur le pan. À la sang. Je vais te niquer. Tac. Petite branche dans la gueule. J'ai raté. Voilà. Tu sais quoi, je te finis au caillou. S'il faut. Je vais te martyriser au caillou. Parce que je suis comme ça. Tac. Voilà. Affronte mon émeraude. Tac. Allez. Bon, bah là, je lui mets une machine dans la gueule. Il est mort. Viens là. Viens là. Il est où? Il est là. Viens là. Mettre une branche dans le cou. Tac. Ah, ça fait bobo, hein. T'en mets une deuxième. Attends, j'arrive. Bon, je sais que c'est pas le mieux, mais clairement, ça marche, donc... Et... Serpent, c'est mort, viens là. Où il est? Où est-ce qu'il s'est barré? Il est là. Viens manger. Bon, en vrai, je vais la tailler quand même un peu, la branche. Hop. Petit, petit. Viens voir papa. Comme s'il a dit. Où es-tu passé? Où es-tu passé? C'était toi? Oh, d'accord. Is you? Ah, ah non, c'était peut-être lui. C'était peut-être lui. Lui, il a l'air d'être plus près. Si, c'est lui. Hé hey, viens là! Viens là, mon petit salaud. Vraiment? Toujours pas fini? Bah dis donc. Il en est mis dans le buffet, il en veut encore, hein. Il vénère, hein. Allez. Viens là. Encore une branche, allez. Ouais, faut que je fasse des branches bien taillées, mais c'est hyper long. C'est juste ça, en fait, c'est que c'est ultra long. Attends. Je garde ma cible. Ah. Alors, on bouge pas, on fait ce bâton. Allez. Allez, vas-y. Let's go kill that mother snaker. Vraiment? Toujours pas? Mais c'est bon un moment. Pack. Allez. Pack la tête. Pac-Man. C'est long pour rien hein, quand même. Hein.
Non, ça sert à rien que je taille. Tailler ne me donne pas plus d'efficacité. Juste enlever les branches. Merde. Ma branche! Alors, il est où ce débile? Alors, à un moment, je vais le finir, hein. Quand même. À un moment, il va décéder, hein. Vraiment? Ça fait combien que je lui mets dans le beefsteak? C'est impressionnant ce qu'il est résistant. Pas si nul, quand même. Genre, j'en ai buté, mais tellement. Là, le machin, il résiste, mais comme un dieu. Hein. C'est le dieu des serpents. Hein. Là, tu sais quoi? Je vais laisser mon caillou ici et je vais en prendre un deuxième. Faire deux branches. Là, je peux lui en mettre deux dans la tête. Voilà. Où est-ce qu'il est? Il est là. Reviens ici tout de suite. Non, non, viens. Il veut pas, hein. C'est impressionnant ce qu'il veut pas crever, hein. Eh bah! Il y en a, je l'ai one-shot et celui-là, il a pas été de main morte, hein. Mon dieu, c'était long. J'en ai mis au moins 15 coups. C'est quoi? Tu mérites d'être mangé. Yo. Où est mon caillou? Attends, il est où mon beau caillou? Ah, il y a de la boue. Longtemps que j'ai pas eu de la boue. Où est mon beau caillou? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Voilà. Les branches sont là-bas. On va refaire une belle. Une belle branche, quitte à faire. Et on va déguster un petit serpent. On va se déguster ça. Oh, je l'ai tué à côté de son nid, c'est tellement dégueulasse. C'est tellement horrible. Je l'ai tué à côté de ses bébés que j'ai mangé. Que votre âme se retrouve dans mon estomac. Bah. Ah. Pose ça deux secondes. Et prends-moi un petit morceau. Voilà. De la bonne viande. De la bonne viandasse. Ça, ça fait du bien. Voilà, parfait. Bon, taillons cette branche. Attends, faut que je finisse de tailler la branche à la main. Faut que je monte mon skill à une main. Bon. Maintenant que j'ai fait ça, on va aller explorer ça. Faire. Je dois faire autant. Aller explorer là le nouveau point d'intérêt. Peut-être à un moment ça va me donner quelque chose d'intéressant. Hein. Reste là. Reste là. Ah, tu vas venir?
Tiens, bam. Non, c'est pas ça que je voulais. Il est où? Putain, ils font pas de bruit, hein. Genre, c'est impressionnant, il est indétectable, le machin. Bon, bah, il y a un moment. Un moment, il va crever, hein. Il y a un moment, à force de lui mettre des coups, il va pas apprécier. Ça va mal se passer pour lui, hein. Bon, faut que j'aille là-bas. T'as le droit de t'accrocher. T'avais le droit, hein. C'était pas interdit, hein. Genre, oui. Je me suis tollé de très haut. Et pas que je voulais pas, c'est juste qu'il était un peu con. Non mais... S'il te plaît, quand même. Bon. De par là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce coin? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien. Pas grand-chose, hein. Un peu pauvre comme zone. Ok, niveau odeur. Eh bah, dis donc. Excusez-moi, hein, j'ai trop d'odeur, là, je sais pas quoi en foutre. Je sais pas quoi foutre de toutes ces odeurs que je ne peux pas faire grand chose. Bon. Faut que je marche en eau peu profonde. Attends. Voilà. Faut que je fasse des allers-retours dans l'eau peu profonde. Jusqu'à ce que mon neurone s'active. C'est vraiment juste faire fonctionner l'XP. La marche à deux pattes. Voilà, parfait. La motricité. La motricité. Moi, je dis pendant contre une petite branche. Petite branchounette. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On grimpe. Allez, grimpe. Grimpe. S'il te plaît. Grimpe. Forest Grump. Alors. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Oh. J'ai quoi un peu le coin. Ok. Ok. Truche. Pas de danger à l'horizon. Non. Est-ce que c'est pas ça l'arbre ancestral? J'y suis pas. J'ai trouvé quoi? Refuge de Capoc isolé. Ah oh, bon, pas ça. Notre date. Dommage. Dommage, dommage. Toujours pas de branche. Pour que je puisse peut-être faire une arme.
Genre, ça me dirait, hein, ça me dirait pas mal, hein, quand même. Oui, après. Ça va pas l'air si loin. De toute façon, faut que je les fasse tous. Je les fasse tous, hein, quoi qu'il arrive. Donc, peu importe celui-là ou un autre. Ah, des branches. Parfait. Branchage. Alors attends, on pose ça. Nice. On se fait une belle branche. Allez. Bon. What do I do? Go back to Monk. Allez. Tranquille, tranquille. Rien de bien dangereux, rien de bien dangereux. Allez, allons voir ce qui se passe. Par là-bas. Alors là, niveau orientation, par contre, je suis baisé, hein, parce que là, je me balade dans tous les sens. Et c'est improbable que je sache où je vais. Improbable, c'est improbable. Il y a un truc qui va me bouffer le cul dans 2 minutes. Je sais pas où. Il y en a un. Bien, 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 bien. Bon, ça avance, ça avance. Il reste plus grand-chose à entraîner, je pense. À un moment, là, je vais avoir vraiment fait le tour et on va pouvoir passer à la génération suivante. Va pouvoir faire des bébés. Des bébés de singes. Oh, c'est pas ça l'arbre qu'il faut que je visite. Va aller faire l'arbre, là, parce que... C'est peut-être ça l'arbre ancestral. Hein. Il est tout blanc. Il y a moyen. Là, c'était l'arbre que j'avais vu il y a longtemps en me disant ah oh, tiens, c'est pas ça, parce qu'il sortait un peu du lot. Mais en fait, si. Je crois qu'en fait, j'avais raison depuis le début. J'avais raison. C'était sûrement ça. C'était sûrement ça, sûrement ça. Montons là-haut. Je peux faire une chute, mais de ouf, hein, si je tombe. Ouais, ça, c'est l'arbre ancestral, ça.
On va monter tout en haut, ce sera sympa. Je suis le roi du monde. Il y a des champignons à cette hauteur, what? Les champignons, ça peut pousser aussi haut? Je vois là tous les fers ici. Un tout petit, bien sûr. Bon, c'était ça? C'est ça, l'arbre ancestral? Oui! Je l'ai fait! Magnifique! Le tuto! Je suis le tuto, enfin! 3 ans après le tuto, j'ai enfin trouvé la suite. Et du coup, c'est quoi la suite? Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Notre météorite. Je passais à la génération suivante. D'accord. Ah ouais, donc vraiment c'était ça. Oh bon, et dans l'idée, j'y suis presque. Dans l'idée, c'était ça. Que je voulais faire. Et bah c'est cool. Du coup... Est-ce que je vais fouiller là-bas? Oui. Oui. Là-bas c'est bien. Bon, je dis. Bon là, il n'y a pas trop d'odeur, pas de machin. Ici, il n'y a pas trop de source de bruit, je pense. Clairement. Oui. Accroche-toi un truc. Voilà. Ça va plus vite dans un sens que dans l'autre, hein, c'est bizarre. C'est marrant, hein. C'est étrange, hein, comment il y a des choses... C'est dingue, hein. Bon. Faut que j'affronte un autre truc que des serpents, parce que ça fait un certain moment que les serpents, je ne me tape que ça. Et c'est pas que ça me saoule, mais c'est un peu chiant. Quand même. Quand même. Trop de serpents, tue les serpents. Enfin oui, tue les serpents, je tue tous les serpents, mais voilà. Trop de ça donne plus d'intérêt hein, à la fin. L'avantage au moins du son, c'est que j'ai juste qu'à chercher au niveau du sol. C'est pas trop dur. C'est-à-dire qu'au-delà du niveau du sol, il n'y a que ça. Donc, j'ai fait un bruit de goutte. Avec ma bouche. Allez hop, gratte-moi ça. Alors. Et moi, je vais pas passer à la génération suivante sans avoir fini cette génération à fond. 1 Moi je suis comme ça. On termine tout ici. On est consciencieux. La conscience professionnelle. Visitons, visitons. À un moment, il y a de moins en moins de dangers, hein, je les enlève, peu à peu. Ah, ok, on va faire face à nos problèmes. Ok. Scannons tout ce qu'on peut. Scannons tout ce qu'on peut. Il faut être consciencieux. Oh là. Ah oui non, pardon, j'oublie que c'est rouge. Pas parce que c'est rouge, mais parce que le faut tout connaître. Nice, voilà. Affrontons la peur. Let's go face my fears. Vaincre la peur. Triompher de la peur. Triompher de la peur.
Étonnant qu'il n'y ait rien qui essaie de me bouffer le cul depuis un moment, hein, quand même. Très 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 étonnant, moi je dis. Je trouve ça très étonnant. Après, bon, peut-être normal. Où est mon point? J'ai vu bien. Ah tiens, la météorite. Elle est là-bas. Oh, c'est là. En fait, j'étais dessus. J'étais dessus, je cherchais, j'ai ah oui, c'est où, c'est quoi? Nouveau repère. Nice, le verger. Is nice. Is nice, is nice. Donc maintenant. De la boue et du machin. Est-ce que je vais faire ce bout là-bas? Oui. Vendu. Vendu. On va faire le bord. Je dirais que c'est le bord de la map. C'est entouré de montagnes, donc... Je dirais qu'au bout d'un moment, ça va le faire. Alors, alors, alors... Alors, à l'huile. Oh! Des nanimaux! Des facochères! Des facoches! Facoche te pousse! Non, je dois sentir les petits. Voilà, merci. Si je veux que mes neurones s'activent, faut que je sente ces trucs. Il faut que j'esquive des attaques d'eux. Peut-être que c'est ce qui me manque comme chose. Eh, vous me voyez? Non? Hein, la famille là. La famille de Facochère. Merde, j'ai attaqué. Comme un con. Comme un con, j'ai attaqué. Mais, monsieur. Yes. Maîtrise de soi. Merde, c'est pas ce que je voulais, je crois. Moi, c'est dextérité et machin. Chier. C'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Tac. Voilà. Ce serait bien que le truc à une main, ça... J'ai une meilleure optimisation de l'attaque à une main. Enfin, la maîtrise à une main. Tiens, je voulais regarder un truc, pardon. C'est juste pour moi. Non, ok. C'était juste un truc. Alors, retrouvons nos cochons. Où est-ce qu'ils sont? Ils vont être très loin. Et ils sont barrés? Oh bah dis donc. Ils ont dû courir. Vachement loin, parce que là... Ah. Affronte ta peur. Affront your fears. Donc en fait, pour affronter sa peur, il faut se baser sur des choses que tu connais. Il faut se dire, allez, vas-y, ça je sais c'est quoi, j'ai pas besoin de... j'ai pas peur.
Triomphons de notre peur. Voilà. Nice. Bon. Je capte pas rien d'intéressant par là. C'est chiant à pas vouloir grimper comme je veux. Oui, on va. Ah, je suis pas très loin de ça. Bon, je vais le voir. Je veux dire, je suis à 2 mètres. Hein. Ah bah, je suis même à moins de 2 mètres. J'y suis, en fait. Nouveau repère. Refuge du piton. Rocheux, tout à fait. Je pensais pas que j'étais si près, mais je l'étais. Plein d'odeurs. Plein de bonnes odeurs. Ah, les cochons. Ils sont là. J'essaie de m'en faire un. Ouais, vas-y. Je sais que c'est pas forcément l'idée, mais bon. Ouais. Je suis là, ils sont là, on est là. Ça va déverrouiller un truc peut-être, j'espère. Salut mon gars. Hey, reviens. Non, reste là. J'ai pas perdu. Ah si, j'ai perdu mon caillou. Mon caillou. Mon émeraude. Merci. S'il te plaît. Give me back my emerald ass. Je suis un chasseur. Tac. Je t'ai attaqué. Un coup dans la tête. Oh, à la base quand même, à un moment, j'étais censé aller par là. On va y aller. À la base, j'étais dans un autre gameplay. Ah, une branche. Vraiment, les actions à une main, je sais pas combien il va falloir que j'en fasse, mais il m'en faut que j'en fasse, mais une infinité, hein. C'est impressionnant. Voilà, un beau bâton. Allons-y, allons-y. Où c'est près de l'eau? Je grimpe sur le mur. C'était près de la rivière. Y a rien par là d'intéressant. Ah, c'est quoi ça? Cochon? Cochon. 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 Il faut que je chante l'odeur du cochon. Je crois que niveau sens, ce qui me manque. Il manque ce sens-là. Maman, je vais croiser un T-Rex. Non, c'est pas possible parce que les T-Rex n'étaient pas là à cette époque-là. Il n'y a pas de dinosaures, il n'y a que des animaux qu'on connaît. Pas où je vais, mais j'y vais. Oh, je vais vers le soleil couchant, c'est magnifique. Bonjour. Ça va? Ça va toi? Ça va mon pépère? Tout va bien?
Ça va, toi? Bon, je te fais une esquive et après, je te mets une branche. Voilà. Tac, comme ça. Oh, le one shot! Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Je l'ai one shot. Oh, je l'ai one shot, c'est magnifique. Je sais pas comment ça arrive. Ça doit être statistiquement. Mais what? Bon bah, à manger. À manger, voilà. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est pas moi qui dis. Voilà, j'ai faim. Bon, en vrai, ça me sert pas à grand chose. Tiens, Elos. Avec le... avec ça, on peut pas le modifier? Oh, bonjour! Viens là! Attends, attends, attends. Toi, oh, c'est celui-là que je me suis déjà fait. Ah, c'est celui-là que je me suis déjà fait. Ah, je vais me le faire si fort. Ah, il va pas comprendre sa vie, hein. Oh, une branche. Attends. Lâche ça. Oh, une branche. Nice. C'est barré. Non, il s'est barré. Il était là-bas. C'est dégueulasse. T'as pas le droit. Blague. Je suis deg, j'allais me le faire. Je suis deg, j'allais me le faire si fort. Voilà. Ah, avec ça, si j'en ai... Si j'ai pas assez, là, je sais pas ce qu'il me faut. Hein. D'ailleurs, ça m'emmène là où je veux, donc c'est parfait. Affronte ta peur! Bon, par contre, ce tigre, enfin, ce félidé, faut que je me le fasse. Ce félidé, il est globalement à tuer. Allez, bientôt fini. Voilà. Parfait. Non, 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 tu gardes ça. Garde ça, mon pépère. Ah, c'est pas que je t'aime pas, mais c'est juste que tu vas me garder tout ça au frais. Que ce bon caillou, il est pratique quand même. Ah, ce putain de tigre. Le tigre doré, je pense que c'est un truc. Il pop un peu comme ça, genre en mode rien à foutre. Oui, plouf! Et plouf! Enfin, je nageais. Oh, des loutres! Si, des loutres! On dirait des loutres. Attendez. C'est des loutres? Des loutres! Je vais les bouffer. Vie sauvage. On a découvert la loutre africaine de Miocène. Ok. Why not? Alors c'est quand même dangereux une loutre, hein, si tu fais pas gaffe, hein. C'est dangereux une loutre. Mais faut que je m'en fasse une. Attention les odeurs, parce que j'ai pas encore fait les odeurs. Voilà.
Bonjour ma loutre. Ah ouais, comme ça. Au calme. Pardon. Pardon ma loutre. Désolé, hein. Pardon louloutre, hein, voilà. T'as pris cher pour tes copines. On va manger un peu de... Hein, non, je peux faire dodo. On va manger un peu de viande de loutre. La loutre, quand même, j'aurais pas pensé ça comme ennemi. Mais ok. Qui suis-je pour dire? Qui suis-je pour dire ce qui est intéressant? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux sentir ma bouffe. Eh bien, bonne bouffe. Voilà, bon, on jette. Qu'il y a d'autres loutres? Ah oui, elles dorment, au calme. Genre, y a aucun soucis, genre, tout va bien. Nos soucis, hein, les loutres. Hein. Normalement, le point, là, je devrais pas être loin. Je devrais pas être loin du point d'intérêt. Il est où? Il est où? Je suis dessus, je suis pas dessus. Attends, j'arrive pas. J'ai cru entendre le machin. J'ai cru entendre l'espèce de tigre. Bon, par contre, où est mon point? Il est là-haut. Vendu. Voilà. Disais, je comprends pas. Ah, j'ai mal au dos. La tanière des loutres. On va bouffer de la loutre aujourd'hui. En outre, en loutre. Viens dès, je vous mets une tannée. Caillou, ça suffit pas. Bah attends, je prends autre chose qu'un caillou. Deux cailloux? Si j'ai deux cailloux dans les mains, ça fait quoi? Ils m'en veulent. Ah, j'ai insulté leur mère. J'ai insulté leur mère tellement fort. Je sais pas si ça... Si à un moment, ça peut pas monter ma dextérité de me battre avec des trucs. Avec des outils qui ne sont pas adaptés. Il n'y a pas de branche ici, il n'y a pas de quoi se faire des armes. C'est bien dommage. Bon, je vais aller là-bas. Oh, la loutre, elle est pépère. Oh, il y a un monde ici. Hein. Impressionnant. Bon, allez, vas-y. Let's go de l'autre côté. Hé, la loutre. Chla. J'adorerais que ça fasse blonk sur sa tête.
Allez, on nage. Un petit mode de déplacement, comme ça. Bon, est-ce que j'essaie pas de booster mes compétences? Maintenant que j'ai un petit peu appris des trucs. Enfin, je pense que j'ai un point ou deux à mettre, mais pas plus. Hein. C'est horrible de pas trouver plus de matos. Ah, voilà, merci. Merci bien, merci bien. Ah, oh. Ok, je suis pour du nouveau stuff. Oh. Mais c'est un hippopotame. Mais on va se faire un hippopotame. Mon dieu, ça va être drôle. Je vais bouffer de l'hippopotame ce soir. Alors attends, faut que je le sente et que je l'entende. Parce que mes sens, faut les développer. Faut développer les sens. Pourquoi je peux pas le scanner? Pas scanner? Je peux pas? Voilà, merci. Un hippopotamus gorgops. Duldi. Maintenant je peux le sentir? Yes. Bon. Qui a envie de manger de l'hippopotame? C'est Bibi. Quoi, tu veux m'affronter? Non mais reviens. Reviens. Reviens, crétin. Mais... petit con. Pas drôle. Il est pas drôle, cet hippopotame. Eh bon, j'ai rationalisé. Faut que j'aille dans l'eau. Fous de moi. Bon bah ok. Hein. Faut aller dans l'eau. On va affronter ma peur dans le lac. Comme ça, au calme. Ok, au calme, dans le lac, hein, comme ça. Hein. Toi là-bas. Toi, j'ai une vengeance. Faut que je tue un hippopotame, c'est obligé. Là, faut que je m'en fasse un. Alors, je vais laisser mon caillou et esquiver ailleurs. Non, faut que j'esquive avec un objet. Bon, après, celui-là, il est pas terrible, il est pas bien placé, j'ai peur de perdre mon caillou. Si j'y vais comme ça, non. On va refaire un bâton bien aiguisé.
Des bâtons en haut, il y a moyen. Allez. Hop, fais-moi ça. Nice. Non. S'il te plaît. Bah alors, toi. Bah alors, on attend pas Patrick. Reviens. J'ai déjà planté des trucs dans le beefsteak. Je vais continuer. Je vais continuer à t'en mettre dans le beefsteak. Viens là. T'as pas le droit de t'en aller. Tac, allez. Merde, j'ai raté. Bon, là, j'avais pas de contre-attaque. Bon, il va se barrer comme ça. Oh là, je suis dans le sol. Où est mon caillou? Mon caillou. My rock. Where's my rock? Où est mon caillou? You. Here. C'est important ce caillou. Perdu le tigre. Merde. Bon, c'est pas grave. On va se faire un hippopotame. De toute façon, ce tigre, à un moment, il va prendre un coup de trop et ça va... Paf! Ça fera des chocs à pic. Il va pas aimer. Il va pas aimer. Putain, l'outil à une main. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir la... Non. Non, je dis. Allez. Voilà. Alors, où est l'hippopotame? Il a bougé, l'autre, là? Non. Il est bloqué comme un con. Ok, bon. Allez se le faire. Mais reviens, c'est pas drôle. Il est pas drôle, il veut pas jouer. Il se barre. Petit salaud. Il va revenir. Bon, faut que j'esquive des attaques d'hippopotame. Ça serait cool. J'ai perdu mon caillou. Where is my caillou? Un caillou très important pour moi. Il est là. Nice. Et toujours. He's nice.
Non, saute. Jump. Quoi, tu veux venir jouer? Tu devrais pas, hein. Viens pas, hein. Que là, il y a un moment, tu vas plus rien. Normalement, le tigre va bouffer un hippopotame, je vais être là. Ok. Nice. Bon, où est l'hippo dans lequel j'ai déjà foutu deux barres? C'est lequel? Il est là, il est couché, je le vois. Il est couché, je le vois. Et lui... Lui, c'est une cible. Lui, il va prendre cher. Pour les autres. Faut que j'arrive à l'emmerder. C'est qu'il bouge pas. Il bouge pas, il bouge pas. Faut qu'il vienne. Viens me voir. Voilà. Viens me voir. Hein? À un moment, je vais te finir. Tu vas plus. Il est où? Il est où? Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est lui? Ah oui, c'est. Si, c'est lui, oui. Vraiment pépère, vraiment, tu vas pleurer. Hein. Quand j'aurai fait assez de branches, je te finis. J'en ai rien à foutre. Binge, tu es hippopotame. Pour viande. Bonne viande. Voilà. Allez. Viens, mon con. Viens voir papa. Maman, je sais pas ce que je suis, mais viens me voir. Quand je fais pas bien, je lâche pas bien mes attaques, je pense que je mets 10 fois plus de temps. Vous barrez pas trop loin, hein. J'ai pas fini, hein. C'est long, mais bon, faut le faire. Voilà. Non, ramasse ton caillou, s'il te plaît. Alors, où est celui-là que j'ai entamé ? Thank you.
J'arrive pas à savoir ce qu'elle sait. Oh, il y a un truc là-bas qui... C'est quoi ça? Ah, des phacochères! Oh, est-ce que les hippopotames et les phacochères, ils peuvent s'affronter? Ce serait pété. Bon, lequel c'est? Pas à savoir. J'arrive pas à savoir lequel doit finir. Il y en a un dans l'eau là. Où je me le fasse. Pas à savoir lequel. C'est un problème. Hey, re! Bon, je m'attaque à de l'hippopotame maintenant. Il y a des sangliers pas loin. Est-ce que ça peut pas les faire s'affronter? Est-ce qu'ils peuvent pas s'affronter? Je me pose la question. Hippopo! Hey, les gars! Venez! Ah, bah d'accord. Ok, bon bah il y a le tigre qui apparemment il voulait m'attaquer et du coup il s'est fait... Ah non! Ah! Ah d'accord, comme ça. Hé hey, le tigre, reviens! Come back! Come back! Lui il faut que je le finisse. Viens là! Bon bah je voulais faire facochère versus hippopotame. J'ai ce petit coin à me faire là. Ça fait une des plombes que je le chasse. Yo. Hein. Reste là. Je vais chercher une branche et je reviens. Il est parti où? C'est épais. C'est épais. C'est un bâtard, hein, parce qu'il s'est épais, hein. C'est genre, t'as bien vu, je l'ai scanné, je l'ai eu, je l'ai loqué. Et non. Le jeu, il dit non. Celui-là, c'est un élément qui vient juste te faire chier. Toute ta vie. Bon. C'est pas grave. Je devais finir un hippotame, pense-t-on. Un hippotame. Mon caillou. My rock. Il est où, my rock? Caillou. Et puis du mon caillou. Il est là. Bon, ça va, sinon? T'es encore bien... Pas tant, là. Maintenant, je stagne un peu, quand même. Hein. Mais j'ai trouvé l'arbre ancestral. Et c'est bien celui-là que je disais, que j'avais dit, quand je l'ai vu de loin, genre un moment, en mode, oh, tiens, ce serait pas ça. Mais si, c'était bien ça. Oh, j'ai pas beaucoup évolué. Là, c'est dur maintenant. C'est vachement long de faire des points, j'ai l'impression. Et en plus, c'est complexe. C'est genre. Là, par exemple, faut que j'esquive en ayant des objets, je crois. Un truc comme ça. Bon, je finis hippopotame et je vais regarder parce que clairement. Mais je suis bientôt à la fin de mon évolution génétique. Alors. Dans les hippopotames. Normalement, il y en a un qui a des machins dans le buffet. Il y en a un qui a pris des dégâts. Donc, je devrais pouvoir me le finir. Faut juste que je sache lequel. Il y a lui. Il a pas l'air d'avoir de pic dans le dos. Lui non plus. Lui, je le vois pas trop. Non, pas l'air. Putain, il s'est barré. Je perds pas parce que ça me ferait chier. Il y en a d'autres là-bas. Non, c'est les facochères. Ah, attends, il y a d'autres hippopotames. Il y a un autre hippopotame là. Non, il y en a un. Il a des lances dans le flanc. Que je l'ai déjà travaillé. Je l'ai déjà travaillé, un des trucs. Est-ce que ça l'a pas annulé? Putain, si ça l'a annulé, ça va être chier parce que j'avais déjà mis 4 lances dans son flanc. Et ce qui est très drôle, c'est que dès que je les attaque, il va se mettre là-bas. Pour une raison que je comprends pas. Oh, fait chier, faut que je recommence. Eh, je dois tout tuer, au moins une fois.
C'est genre là, j'ai toujours l'évolution. Modifier des armes à une main, elle est toujours pas finie. Je sais pas comment la finir. Genre c'est. Bref. Bon sinon, ça a été. T'as bien mangé, tout ça. Et tout à l'heure, j'ai one-shot un espèce de tigre. One-shot, hein. Genre, pour une raison que je comprends pas, genre, je les one-shot. Des fois, je me dis, il doit y avoir des moments où je fais des machins parfaits. Oui, alors là, comment savoir lequel je me suis déjà fait? Il n'y a pas de trace sur lui. Bon, bah, on va se faire celui-là, hein. Que ça lui a laissé une lance dans le buffet. Que je vois lequel je fais là, parce que pas que ça m'emmerde. Hein. Bon, attends, et voilà. Maintenant, pot de zob, j'en ai marre. Je fais juste une lance comme ça. On va faire ça vite. Mais reviens. Oh. Oui, oui, je sais. La pierre précieuse, c'est pas hyper rentable comme attaque. I know. Alors, ramasse ça. Ramasse ça. T'as une branche par terre. Alors, ramasse-la. C'est parce que je suis pas dans la bonne main. Ah, voilà. Lui, il a un truc dans le buffet. Donc ça, c'est bien. T'as encore bricolé un peu. Bah, c'est cool. Non, moi, je suis allé faire un resto avec ma mère. Elle était contente. T'as un peu aussi pour me récompenser des efforts. Voilà, bien, ouf, mon gros. J'aurais fait un truc, c'est faire deux lances d'affilée, comme ça je l'enchaîne. C'est mieux. Je vais laisser mon caillou ici. Voilà, non. Je vais laisser mon caillou ici, je vais faire deux branches. Raté. Non, je veux pas t'affronter. Ou alors, comme ça. Tac. Ah, il a pas aimé. Hop, j'en prends une autre. Alors, il est où ce con? Il est reparti en bas. Il est où? Il est là. On va se le faire. On va manger de l'hippopotame aujourd'hui. Je vous le dis comme je le vois. Je vous le dis comme je le pense. On va bouffer de l'hippopotame. On va se faire un hippopotamus. Je sais pas si c'est en Belgique ça. De la boue, un des restaurants. Tac! Allez! À moi la bonne viande! À moi la bonne viande! Voilà! C'est comme ça que ça se passe. Bon, après on fait dodo. Je mange et on fait dodo. Alors, mon émeraude, elle est où? Parce que j'ai une émeraude hein, pour tailler les pierres. Hein. Oui, on prend de la qualité. C'est bien l'émeraude, c'est bien. Je vais me faire un... Les restos hippopotamus, ouais. J'avais plus les restos. Désolé, j'ai du mal. J'ai du mal avec mon cerveau. J'ai trop retourné tout manque. Je suis trop le monkey. J'ai plus les termes. Hop, on se fait une lance parce que si jamais l'autre con tigre, il m'en veut encore. Parce que... Non, on connaît pas. Ouais. Moi non plus, après je connais que de nom. Et on va se faire un hippopotamus et on se le fait. Bon, ça a l'air de moins bugger là. J'ai essayé de régler un truc parce que c'est le logiciel pour les avatars qui se baladent.
D'ailleurs, on peut toujours faire des duels, des larguer des bombes, faire des hugs, péter sur les gens. Oui, je sais. Allez, on va le découper. Ça va être long. Ça va être très long. Il y a un truc qui veut m'attaquer. Il y a un truc qui me regarde. Il y avait un truc dans le jaune. Ah oui, j'ai buté des loutres. Je me demande pas pourquoi, des loutres. Allez, un bout de viande. Je regarde si c'est safe. Apparemment, c'est safe. Allez, on en mange un bout. Un petit bout d'hippopotame. C'est bien ça. Ouais non, du coup, j'ai fait resto. Alors, j'ai mangé un truc. C'était de la viande, mais je sais pas trop comment, qui a été charcutée, marinée, et en fait, c'était du bœuf, mais le bœuf, littéralement, j'aurais pas couvert des loutres. Ouais, on est d'accord. Moi aussi. J'ai vu les loutres, j'ai fait, ouais, ok. Oh non, j'ai perdu mon caillou. Lâche l'affaire. C'est à moi, ça. Non. Lâche l'affaire. Ok, je t'attaque. Ta gueule. Voilà, un petit coup dans le but. Un petit coup dans la tête pour que tu te barres. Sauf que je veux pas consommer mon machin. Bon. Mais ouais, des loutres. J'étais là, ok. Des loutres. Why not? Eh, c'est pas impossible, hein, les loutres. C'est vénère hein, quand ça veut bien. Alors ça a des bonnes dents et tout, hein, on croirait pas. C'est juste que nous, on en a eu l'aspect mignon. Ah bah alors? Tiens! Ta mère! Ta mère, le gros! Du coup, c'était quoi ta bouffe? Bah, c'était une viande qu'ils avaient découpée en morceaux vachement serrés. Genre, ils ont fait un quadrillage dans la viande en profondeur. Ils ont cuit un côté, genre ils ont littéralement cuit une seule face, unilatérale, et ils l'ont mariné dans de la menthe. Et du coup, ça a été très... J'ai ressenti que la menthe, en fait. J'ai eu que la menthe dans la bouche. Ce qui était spécial, quand même, hein. Vite, il me faut un truc, faut que j'arrive à le buter, ce con. Parce que déjà, d'une, si je le bute, bah, il arrête de me faire chier. Hein, ce petit con, on va juste prendre une branche comme ça, au calme. On va lui sauter la gorge. Voilà. Mais du coup, j'ai mangé une viande qui avait pas le goût de viande parce que j'avais juste le goût de menthe. En fait, j'ai mangé de la menthe. Tac, allez. Dans 2 secondes, je vais chercher une branche et je suis à toi. Non. S'il te plaît. Monkey. Eh. J'essaie de lui faire peur. Après, je veux pas le perdre de mon champ de vision, parce que si ça se trouve, en partant de mon champ de vision, ce con, il disparaît. Ça devait être bizarre. Un peu... C'est-à-dire que tu manges sans manger, quoi, c'est... T'as pas le goût de ce que tu veux. Ce qui était très étrange. Je vais laisser le caillou ici. Prendre une deuxième branche. Non, lâche. Lâche la caillasse. Après, tant que j'ai pas perdu le tigre, peut-être essayer de faire une bonne lance. Tant que je le vois, c'est que c'est good. Non, après, par contre, j'ai eu un dessert au caramel et tout.
C'était super. T'as cuisiné un pavé il y a quelques semaines. D'accord. C'était quoi? Pas si je connais, hein. Je pense pas reconnaître, mais bon, je demande. Je me fais un deuxième bâton, hein. Eh, il est dans mon champ de vision. Il s'en va pas. Un porc adobo. T'as photoshopé un porc sur Adobe. Ok. Non mais si tu veux, hein. Mais petit con. Petit con. Qu'est-ce que tu fous là? Bon. Un contre. Voilà, dégage. Allez, dégage maintenant. Papa était occupé. Merde, mes armes. Ah. Merde, j'étais en train de bosser, moi. C'est là que j'ai pas fini. Oui. Tant qu'il est bugué, l'autre, je vais aller me le faire. Non, du coup, je sais plus. Un churrasco, un truc comme ça, c'est ça que j'ai dû bouffer, un truc à ce nom-là. C'était... Non, je voulais pas faire ça, mais ok. Ramasse-moi celui-là. Là. Attends. Je vais y arriver, hein. Là. Voilà, j'ai deux bâtons pour lui faire la tête. Pour lui faire la fête. Tac. Et d'un. Et de deux. Ah monsieur, t'es pas content? Eh ben c'est pareil. Allez, grimpe. Topé, tu veux bien grimper? Je t'ai eu. Eh, moi je reprends, hein. J'ai tout mon temps. Mon gars. Pourquoi tu descends? J'ai tout mon temps. Je vais te buter si fort que tu vas rien comprendre. Bon, j'en ai marre de tailler les bouts de bois. Hein. Il est complètement bugué, ouais. Ah, j'en profite, hein. Parce que ça a l'air d'être un ennemi très dur, donc, hey. Hein, moi, tant qu'il est là, que j'ai des branches, vendu. Tac! Allez, le cher renom blanc, l'ultime prédateur, c'est moi. Tac! Dans l'œil. On le voit pas, mais dans l'œil. Qui c'est le patron? C'est moi! Et on va le manger avec délice. Je vais te bouffer avec envie. Je vais juste chercher mon caillou magique. Oui, l'émeraude est un caillou magique, il permet de ne pas avoir peur. Faut pas chercher, hein. Et maintenant, au moins, surtout, je vais arrêter de me faire attaquer comme un con. Genre comme ça, le problème, c'était que je me faisais un peu attaquer au pif, des fois, là, par le truc. C'était un peu problématique. Bon, cuisinons cette bestiasse. Ramassons un petit morceau. Faisons-nous un steak du machin blanc qui était ultra pété parce qu'il pouvait se TP. c'est trop cheaté en plus, il se TP quoi, je veux dire. C'est même pas moi qui le dis, c'est genre littéralement tu le voyais disparaître du jeu. Tu te dis, ah d'accord. Oh cette belle viande bien rouge. Mmh, miam miam miam, bon appétit, tout à fait. Tiens là-bas il y a une loutre, on la voit dans l'eau.
Et au bord de l'eau, elle se balade. La petite loutre reste. Et l'outre, c'est vénère, hein, genre, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. C'est moi le prédateur, ici. Comprenez ça. Je vous laisse vivre, si j'en l'entends. Voilà. C'est ça, la nature. C'est faire comprendre aux animaux que... qui c'est qui règne. C'est celui-là qui tue les autres. Je peux être le plus faible... Je peux être l'espèce la plus faible, mais si je suis le plus fort dans mon espèce et que je nique tout... Vous êtes plus les plus forts, les gars. Allez, un beau bâton. J'ai dit que je faisais dodo après. Un beau bâton pour la forme. C'est toujours pratique. Là, je vais faire une sieste pas loin. Faut que je regarde qu'est-ce qu'il me reste à faire. Il ne doit pas me rester grand-chose, hein, en vrai. Hein. Je pense qu'à un moment, je vais pouvoir changer de génération. Parce que d'ailleurs, c'est mon objectif. Là, aller à la génération suivante. Le tuto. Parce qu'après avoir fait l'arbre, il m'a dit, bah fais ça. Okay. Donc là, hop, on va laisser ça là pour l'instant. Non, pas le caillou. Je préfère perdre la branche, clairement. Alors, prends-moi ça. Pose-moi ça là. Ici, c'est plus sympa qu'ailleurs. Non, tu veux pas ramasser? Ça te plaît pas? Ça te plaît pas cette feuille? Si. Non, pardon, excuse-moi. Construction. Paf, pif, pouf. Voilà. Allez. Alors, ça, du coup, je me suis mis souvent debout en eau peu profonde. Je marchais dans le... Cool. Je peux le faire? Non, il me faut une mutation. Bien, ça veut dire que je peux arrêter toute cette catégorie. Ici. Le temps de réaction face à un animal irascible. Tout à fait. Un animal hostile. Nice. Là, il me faut une mutation. Là, par exemple, ça, je sais pas comment le faire. Il faut que je combatte plusieurs fois un ennemi, mais je vois pas trop comment le faire. Comme là, condition que je l'ai affronté plusieurs fois. Faut que je fasse de la maîtrise de soi, mais... Je comprends pas trop. En gros, là, faut que j'attaque, que je combatte plusieurs fois le machin. Là, faut que je fasse rien. Ça, bah du coup, je peux pas, parce qu'il me faut une mutation génétique ici, donc... Ce que je peux pas. Là, il faut que je réagisse et que j'ai beaucoup d'entraînement, donc c'est pas... Là, il y a une esquive, mais j'ai l'impression que ça vient pas, hein, genre... Je crois que je vais avoir fait le tour, hein, bientôt, là. Parce que clairement, j'ai l'impression de plus pouvoir faire grand-chose. Là, ça fait quand même un certain moment que j'ai pas avancé mes quêtes, hein, mes trucs. Donc je pense que je vais arrêter. Je vais arrêter de machiner. Je vais juste aller voir ce point que j'ai mis là-bas, pour la forme. Comme ça, au moins, j'aurai terminé. Où est mon bâton? Mon bâton est là. Au moins, comme ça, j'aurais vu ce que... Mais la carte, en fait, elle est vachement grande, hein. Mais c'est juste qu'en fait, c'est bloqué derrière des montagnes, donc faut que tu fasses le tour, tout ça. Tout ça, tout ci. Tout ci, tout ça. Bon, là, j'arrête d'affronter des trucs. Je pense qu'affronter ne me donne plus rien, parce que je me suis battu contre l'hippopotame plein de fois et le tigre. J'ai pas eu de capacité plus que ça, donc... Je vais estimer que ça sert à rien. Ça sert plus à grand-chose. Là, il y a des facochères. Ils font dodo. C'est bien pour eux. C'est bien pour eux. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Et encore des hippopotames dans l'eau. Très bien. J'allais dire, oui, il n'y avait pas un truc que j'ai pas vu. Si, si, c'était les hippopotames tout à l'heure. Mais je me rappelle plus. Ça, non, je peux pas. Concentration, non. Tiens, j'ai pas pêché depuis un moment. Vendu. Ça fait un moment que j'ai pas fait la pêche. Je me dis, ça peut être sympa de le faire. Mon poisson.
un truc qui m'en veut. Ah, l'hippopotame, il me regarde. Il me regarde. Non, non, j'ai pas envie de t'affronter, là. Perso, là, ça va. Là, ça va le faire. J'ai pas besoin. Ouais, non, c'est à l'autre bout. Mais c'est dans l'eau. Les noix de coco, je les ai déjà vues, on est d'accord. Mais là, ouais, ça fait un moment que je retrouve plus beaucoup d'informations nouvelles. Là, j'ai beaucoup regardé des trucs. Ah bah, tiens. Eh, comme quoi, hein, je dis des choses, je les fais après. J'ai fait un neurone juste après. Bon, faut vraiment que j'y aille. Mais tu me fais chier, c'est super loin. En étant plus près, là, le lagon, où est-ce que je peux le capter? Parce que là, je suis déjà assez près, non? Hein, le jeu, t'es mignon, hein, mais genre, c'est loin, l'eau. Hein. Oh, des crocos, ça fait longtemps. Il y a des cochons à côté, je vais peut-être avoir une vidéo dans pas longtemps. Je vais me mettre sur ce rocher, peut-être du coup j'arriverai à capter quelque chose. Oh Eh, il y a l'icône qui est en réflexion dans l'eau. C'est débile. C'est débile, c'est une icône et tu la reflètes dans l'eau. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une icône d'objectif se refléter dans l'eau. C'est fantastique. Ah putain, ça, c'est pas un truc auquel je penserais. Mais l'icône de... Tu sais, dans la vie, t'as une icône de quête et tout, et t'sais, elle se reflète, tu fais « Ah, ok. » C'est ok. Unique. Unique en son genre, ce jeu, hein, des fois. Hein. Oh, allez, vas-y, grimpe-moi là-haut. Oh, t'as chaud, pépère, toi. T'as chaud, mon petit ordi. Bon, après, ça va encore. Alors, est-ce que je peux voir l'information maintenant? Non! Mais comment je fais? Parce que je peux pas analyser en étant dans l'eau, on est d'accord? Alors, je peux pas... Ah si, je peux. Bon bah... Ok. On va se rapprocher, hein. Au maximum. Mais là, t'as chaud, pépère. Comment ça se fait? Oh, tu chauffotes. Tu fais des phases. À un moment, j'ai le droit d'être dans la zone, là, ou... comment que ça se passe? Toujours pas. Je suis à 2 mètres en dessous et... Oh non, ça va, c'est pas assez près. Non mais vraiment, là? Faut que je capte plus loin, c'est ça? J'ai pas de réseau? Là, je peux pas faire plus, hein. À un moment, je suis collé dessus, hein. Faut faire un bateau? Je peux plus, je suis trop. Mais. Bon, ok, celui-là, c'est une pot de zob. Bon, alors. On va vaincre sa peur, quitte à faire. On va éviter d'aller se faire chiquer par le croco en passant. Je suis pas sûr que dans l'eau, je peux me défendre. Je crois pas. Je dirais que c'est pas bon. Croco, tu restes là-bas, hein. Dans l'eau, je pense que je suis en état de faiblesse. Alors... Bon. Battons la peur. On peut battre la peur tant qu'elle est chaude. J'aime bien un mix d'expressions. Ça peut être mignon. Il faut battre la peur tant qu'elle est chaude. Quoi? Qui m'en veut? Oh d'accord. Ok. Ok. D'accord. Comme ça. Un battleur des savanes. Ouh ok. Ok il m'en veut. Ok on va manger un steak. De poulet bientôt. Hein? Petit con.
Il est où? Je vais me le faire. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Déjà, c'est que savoir d'où il venait, c'était un peu compliqué parce que j'ai pas le... Voir en... La caméra a pas assez reculé. Bon, c'est pas grave. Allez, ce canon. Canon, voilà, j'ai plus peur. Voilà. Oh, non, c'est pas toi. J'ai peur. Où est la bestiole qui m'en veut? Et qui sait quoi? Que là, quand même... Tu me fais envie, là, d'un coup. J'ai envie de te bouffer. J'ai envie de me faire un steak à poulet. Une cuisse de poulet. Une petite cuisse de poulet, là, tranquille. Une petite cuisse là. Je vais me faire une tranche de poulet, une cuisse de pizza, une aile de jambon. Hein? Triomphant de la peur. Triompher de l'inconnu 10 fois. Nice. Donc en gros, dans cette zone, il y a un poulet maléfique. Ok. Il y a un poulet vengeur. C'est vrai que au tout début du jeu, il y avait un piaf qui nous attaquait. Parce qu'il y avait un singe qui avait essayé d'aller bouffer les trucs. Bon, maintenant il faut aller à la maison. La maison, c'est loin. C'est sa mère loin. Mais sa mère, hein, genre... c'est des loutres. Attends, il y a des loutres à côté du croco. Ah ouais. Genre, au calme, hein. Au calme, les bestiaux, hein. Genre, il y a des loutres. Et un croco. Eh, oh, venez. Venez me voir. Toujours mes outils? Yes. Va te foutre dans les dents du croco, ça sera drôle. Tiens, bam. Ah ouais, comme ça, genre... Je suis méchant, je sais. Mais c'est la nature, hein, c'est pour moi qui dis. Hein. C'est pour moi qui dis, c'est la nature. Bon, du coup, tu te couches là ou tu fais autre chose? Tu t'occupes? Tu bricoles encore à cette heure-là? Ce que possible, hein, je dis pas. Oh, c'est chiant, mon thé. Théoli, d'accord. Bon, bah, future bonne nuit, parce que je vais t'endormir, hein, avec toutes mes conneries. Je ne m'en inquiète pas. Oh, ah oui, c'est vrai, il y a un météore. Il y a le météore. Oui, il y a une affaire de météore, faut pas chercher. Hein, genre, en fait, au début du jeu, tu regardes sur le projet. Ok. Oui, alors par contre, je triche parce que je suis pas censé avoir cette endurance qui me permet de monter les montagnes. Mais c'est amusant à faire. C'est amusant à essayer. J'aime bien les jeux où... Tiens, j'avais testé sur la VR le The Climb. C'était marrant, en vrai. Ça a des bonnes sensations, je trouve. Même si c'est juste, tu mets tes mains, mais les coups de hop, il faut faire des prises rapides, des fois il faut se lancer à deux mains. Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa, même si, oui, ça vaut pas grand chose par rapport à de la vraie escalade, mais ça avait quelque chose de sympa. Je trouvais. Il y avait un bon feeling. Le jeu, ils l'ont bien pensé. C'était sympa. Où est ce météore? Il y avait la fumée, elle est par là. T'as pas encore testé ça, ouais, non? Après, là, en ce moment, je suis vachement sur un jeu de puzzle en 3D, en 3 dimensions, où tu prends les pièces et ça te fait un modèle 3D. C'est vachement sympa. J'aime bien, ça me détend. Et genre, c'est super dur, parce qu'en 3D, c'est pas facile, les pièces, elles sont découpées un peu comme ça passe, des fois. Et j'aime bien, c'était sympa. C'était sympa. Des fois, je fais un peu de Beat Saber pour faire un peu de sport. Tu parles, tu fais du Beat Saber, tu perds 3 kilos. Je suis en train d'essayer d'avancer le scénario, mais le scénario... Wow,
pas le, on va dire le mode story mode, je sais pas trop comment dire. Oh, mais il est vénère. Alors, il fait mal, hein. Alors, est-ce que je peux monter plus haut ? Ouais, Beat Saber, c'est sympa. J'ai vu qu'il y avait un multi, je me suis dit, mais c'est quoi le multi ? Qu'est-ce qu'il fout ? Je sais pas si toi t'as testé, mais... Alors... Je suis super haut. Je suis à une hauteur improbable. Oh, bah, il y a quelque chose, là. Oh, un petit serpent. On va se le faire. Allez, pour le plaisir. Il y a un petit mamba. Attends, il est où? C'est un tout petit mamba noir. Vert. Je suis fatigué. Tout à l'heure, la dernière fois, j'ai réussi à le one-shot. Est-ce que je peux le tuer au caillou? Est-ce que si je prends mon caillou, il y a moyen que je l'éclate? Ah, ça gratte. Vas-y, mon petit. Bam, bam. Bam. Tac. Allez. Comme ça. Bamba number 5. Ouais, c'est ça. Je sais même pas c'est le combientième, mais ça serait drôle que ce soit le number 5. Tiens, vas-y, je te découpe. Parce que... Parce que voilà, t'étais là, t'aurais pas dû. Le pauvre serpent, il s'était mis vachement haut, tranquille, tu sais, genre où personne l'emmerdait. Bon, y a pas beaucoup de bouffe, mais bon. Alors... la fumée est par là. Et du coup, il y a des météores. Qui, je crois que ça débloque des évolutions. Un truc comme ça. Genre... Un nouveau repère, site du météore, de l'arbre mort. Et ça me donne quoi de... Ça me donne un beau caillou ? Voilà. Assis d'as. T'as une roche météorite. Est-ce que ça... Attends. Est-ce que mon émeraude avec ça... On peut pas faire quelque chose. Oh, tout bêtement. T'as trouvé la météorite du site de l'arbre. Ne faire qu'un avec l'univers. Ouais, c'est bizarre. Je comprends pas trop l'intérêt de ça, mais ok. Ok, si j'inverse... Non. Qu'est-ce que je prends ? L'émeraude ? Ou la pierre météorite ? Je pense que les deux se valent, hein. C'est la même chose globalement. Je crois que c'est juste, ça donne des boosts. Après, attends, il y a un moyen facile, faut juste que je le scanne. Pour voir qu'est-ce qu'il donne. Qu'est-ce que la météorite donne comme avantage ? Rien. C'est juste... En fait, je pense que c'est juste pour le scénario. C'est juste pour la complétion. D'accord. Du coup, il y a de la fumée là-bas encore. C'est quoi ce grand arbre ? Ah, j'entends un truc qui veut m'attaquer. J'ai l'impression. Attends. Tu vas réussir. J'ai cru entendre un truc qui m'en veut. Non ? Il y a du bruit comme ça. Quoi ? Ah oui, c'est toi, pardon. Ah pardon, excuse-moi. Ok, pardon, excuse-moi. Attends, faut que je t'éclate avec la météorite, c'est plus drôle. Où est-ce qu'elle est ? J'ai perdu. Attends. Faut que je t'éclate avec ça. C'est plus funny. Il est où ? Il est où ? Il est là. Le petit mamba, là. Mamba number 6. Reviens. Bam, bam. Bam, bam. Voilà. Comme ça.
Je disais, c'est bizarre, il y a un truc qui fait du bruit, comme si que j'allais me faire attaquer. Oui, il était juste devant toi, deux pas. Ça, c'est, je pense que c'est le pire truc qui fait paniquer. Genre, tu sais, faut pas paniquer dans la vie quand tu fais... quand ça se passe comme ça. Mais là, je pense, tu paniques en mode... Oh, merde! Où est mon caillou? Où est mon émeraude? Émeraude, t'es où? Elle est où, mon émeraude? Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Pardon. Excusez-moi, hein, je panique. Plein de morceaux de bois. Rien de nouveau sous le soleil. Putain, c'est ça qui est le pire, c'est vraiment le fait que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Du coup, je me dis, bah... Ok. Ok. Bon, allez, on va aller faire une nouvelle génération, ça sera bien. Entre deux, on va faire un millier de bébés si on peut. Tout à fait. Je regarde juste si je passe pas dans le chemin d'un truc intéressant. Apparemment non. Pas de truc dangereux. Mamba number 5. Oui, je me pète les jambes, mais c'est pas grave. On s'en fout. Aucun danger de se péter les jambes ici. Ça n'a pas d'importance. Heureusement que je joue comme ça. Clairement, là, tu vois, je profiterai pas du jeu, je m'amuserai pas autant en jouant normalement. C'est-à-dire que là, faudrait que je fasse attention, faudrait que je bouffe tout le temps, faudrait que... Il y a un moment, il est sympa le jeu, hein, mais il est sympa aussi dans le côté survie. Moi, j'aime bien le côté survie où tu te bats vraiment, tu fais des trucs... Et tu t'upgrades le truc. Oh, tu dois passer 15 heures. C'est pour ça, par exemple, que je dis pas, j'aime les Dark Souls, j'aime bien dans le fond. C'est juste, c'est trop long. C'est juste, c'est un investissement en temps et en implication beaucoup trop chiant pour moi sur la longue durée. Moi, j'ai besoin d'être toujours dans la nouveauté, dans les trucs sympas à regarder, tout ça. Et des jeux comme ça, j'ai du mal à m'y mettre. Hein. Clairement. Si j'avance pas, j'ai du mal à m'y mettre. Parce que j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de voir des choses, j'ai pas besoin de rester 15 heures dans un truc. Je sais que je peux le faire. Genre, sans problème, en général. J'ai quand même assez de ténacité pour réussir. Je veux dire, je platine des trucs, enfin machin, je réussis des jeux qui sont quand même assez difficiles des fois. Pas forcément du niveau d'un Souls, mais bon. Mais c'est vrai que... Ah bah tiens! Bonjour! Ça va? Tiens, bam! Petite attaque! Petite émeraude pour que tu te casses! Allez, casse-toi! L'émeraude, c'est bien pour juste se débarrasser des mecs. Genre, la lance, c'est bien pour les tuer. Mais l'émeraude, c'est bien pour les virer. Mais c'est vrai que, ouais... Je me dis, j'aime bien certains types de jeux, mais il y a des trucs où ça me saoule maintenant, genre... J'ai envie de faire d'autres choses. J'ai vieilli. Je suis vieux. Du coup, j'en ai marre de perdre mon temps et de passer 15 ans sur un jeu. Je veux en faire d'autres. Aussi. Oui, plouf. Allez, on est presque rentré. Allez, on est presque rentré. Si on se fait pas trop emporter par le courant, on est presque rentré. Allez, allez, merci. Mais bref. Temps de regarder. Genre, je ne saurais pas jouer. Ouais, ouais, mais j'ai mis genre. Et ça, c'est clairement, je suis d'accord, c'est le genre de jeu où j'ai dû le reprendre au moins 6 fois pour bien le comprendre. Et regarder des tutos et des machins de comment faire ça. Parce que c'est impossible à savoir jouer. Après, je sais pas si tu parles de ce jeu-là ou des... Mais bon, après, voilà, ce jeu-là, clairement, il est intéressant, hein, il y a un bon fond, il y a de quoi faire, mais c'est juste... Là, heureusement que je triche, parce que, clairement, je m'amuserai pas autant. C'est mort, hein. Je passerai trop de temps à devoir gérer mes machins, à pas crever, tout ça, à faire attention et tout, que là, j'y vais comme un bourrin, et honnêtement, je m'amuse tout autant, hein. Oui, c'est pas la façon légale de le faire. C'est moins fun pour certaines personnes, mais pour moi, ça va me satisfaire. Bon. Il est l'heure.
de niquer mon beau caillou. Bon. Est-ce que j'ai une femme? Non. Est-ce que je suis vieux? Est-ce que tout le monde est vieux? Oui. Est-ce que j'ai pris trop de temps? Peut-être. Non. Ça va, il y en a ici. Oh, les bébés, ils ont pas fini de grandir. Bon. Alors. Là, c'est le moment où il faut savoir avec qui on va s'accoupler. Qui peut s'accoupler? Quelle chance, c'est que je ne sais plus comment on fait. Pour voir les infos rapidement. Alors, fertile. Elle est en couple avec Q. Non, elle n'est pas en couple. T'es fertile. Ouais, celui-là. Pas le seul, j'ai eu plusieurs fois le jeu que j'ai mis. Ouais, bah moi c'est pareil, des fois je fais la même chose. Bonjour, je vais te toiletter. On va faire plein de petits. Parce qu'il faut faire du... Il faut faire de la mutation. Et pour faire de la mutation, il faut faire des petits. Après, je me rappelle plus trop comment faire des mutations en série. Clairement, genre... Parce que là, il y a plein d'endroits où il me dit mutation nécessaire. Et je sais plus comment on force la mutation. C'est bon, nouvelle gestation. Yes. Alors... Avec qui je peux faire maintenant? Non, c'est une femelle. Une femelle. Voir les infos, non, je peux pas voir. Y'a pas moyen que je vois les infos. En train de me faire chier. En fait, je sais plus. Si, faut que je me colle à eux. Voilà, femelle fertile. Vendue. C'est vrai que les icônes me disent si c'est mâle ou femelle, normalement. Voilà. Allez, viens là. Viens là. Tout ce qui est fertile va être produit. Donner naissance. Non, 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 ça va aller. Alors, you. Pour toi, t'as l'air trop vieux. Ouais. Yo. T'as froid? C'est pas grave. Femelle sans partenaire fertile. Voilà. Ah, c'est de ma famille. Ah, c'est de ma famille, je peux pas. Il me faut... Bonjour, vieux mâle. Vieux mâle, remplace-moi. J'espère que c'est pas ta fille. Non. Horrible. Il y a quand même une logique de non, t'as pas le droit de faire ça avec le singe qui est de ta famille. Si c'est ton père, ton frère, non, quand même. Faut que ce soit ton cousin, minimum. Alors, vas-y. Oh là là. Bref. Moi je sais plus qu'est-ce que j'ai... Là par exemple moi bah si, jeu dans le même genre que toi que je regardais c'était Hogwarts Legacy. Mais ce qui me fait rire c'est qu'Hogwarts Legacy, clairement, il est reparti... Genre le jeu est arrivé... Je peux changer de singe, ouais. Ouais, je peux changer de singe. Clairement. Hogwarts Legacy c'est clairement le jeu où... Je trouve que je me disais qu'il allait disparaître très vite, et bah comme quoi j'ai pas eu tort. Sur Twitch et autres, genre il a survécu un moment, et après c'est mort. Il a disparu aussi vite qu'il est revenu. Est-ce que... J'ai vu tout le monde. Je dirais que j'ai vu tout le monde. Ouais, j'ai dû voir toutes les femelles possibles. Bon! Eh bien, alors, on va faire des... Je sais plus... Je sais pas ce qui est le mieux. Est-ce qu'il faut que je fasse une nouvelle génération ou est-ce qu'il faut que je fasse naissance? Je vais vérifier. Je vais vérifier l'info, parce que là, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est un des défauts du jeu, il a aucun intérêt à recommencer. Non, mais même sans ça, j'ai vu beaucoup de gens...
ne pas le finir. Genre, ils ont fait 30 heures dessus, genre, d'un coup, genre, ils se sont mis à mort dessus, et après, ils n'arrivent pas à y retourner. Parce que, je sais pas, le jeu, il est pas si intéressant. Ou genre, ils l'ont tellement poutré vite que, bah, c'est fini. Et, ah, d'accord. Birth of... C'est quoi? C'est mieux? Non. Ça a un intérêt? Moi, non. Je pense, en fait, je crois que les bébés, c'est surtout très important pour avoir des neurones. Genre, en fait, c'est ce qui permet de débloquer les capacités. Et du coup, Generation. Le système de génération. Ah si, il faut plein de bébés pour pouvoir avoir des points après. Si, c'est vrai, il y a ça. Il y a ça, oui. Oui, je m'en souviens. Si là, je vais voir, par exemple... Ah bah, ok. Cool. L'intimidation du groupe est plus efficace. Cool. Nice. J'avais pas voulu, mais ok. Réaliser cette action fournira de l'énergie neurale. Attends, je l'ai eu déjà, en fait. Ah, d'accord. Attends, il y avait quoi? Il y avait ça. Après, il est possible d'identifier automatiquement d'autres individus sont aussi de la même espèce. Cool. Détection sonore, d'accord. Ok. Oui, donc, je disais... là, dans la génération, par exemple, j'ai deux renforcements. Et si je me trompe pas, c'est genre, c'est ces points bleus que je peux... Que je peux... Je comprends pas le valider les connaissances... Ah si! Ah attends! Attends, si je me rappelle... Oh là là, oh ça va être chiant. Ok, je crois que je me rappelle. En gros, là par exemple, tout ce qui est comme ça, ça veut dire que je l'ai validé. C'est genre, pour la génération suivante, ça va se transmettre. Et il faut... Voilà. Mais ça... Oh là là. C'est bon, je commence à me rappeler pourquoi le jeu, il est être long. Parce qu'en gros, faut faire un millier de bébés pour que je puisse valider tous mes trucs que je viens de débloquer. Genre là, tout ça, c'est pas débloqué. C'est pas bloqué pour la génération suivante. Oh. Ça va être mortel. Oh. Après, est-ce que je peux enchaîner de faire des bébés? Peut-être. Et du coup, ça va se régler. Mais je sais pas. Ok, bon, alors on va donner naissance, hein. Partenaire, viens ici. Donne naissance. Parce que là, clairement, il me faut des points. Évolution. Voilà, j'ai une nouvelle mutation. Nice. Après, la prochaine évolution de la lignée, oui, tout à fait. Voilà, et du coup, maintenant, j'en ai 5. Nice. Bon. Eh ben, on va prendre tout ce qu'on a, hein. Mais non, si. si, ça va être ultra long. En fait, là, je pense que le problème, c'est que là, je vais trop vite. En fait, t'es censé faire plein de générations pour pouvoir tout faire plus vite. Là, moi, je bourre. En fait, je suis allé trop vite dans certains trucs. Et du coup, maintenant, pour rattraper ça, ça va être compliqué. Donc maintenant, va falloir que... On fasse plein de bébés. Est-ce que ça va marcher de faire un bébé en plus? Mais après, si j'en fais 5 par 5, ça va aller vite, hein, en vrai, au bout d'un moment. Voilà, regarde, hop. Voilà. Toi, tu peux? T'es en couple avec machin, tu n'es pas fertile. Toi, tu n'es pas fertile. Et les bébés, au bout d'un moment, ils grandissent. Du coup,
ça devient des futurs bébés, ça devient des futurs reproducteurs. Par contre aussi, il y en a plein qui vont vieillir. Et il y en a qui vont crever au bout d'un moment. Non, je veux pas faire ça. Excusez-moi, je voudrais voir celui-là. Allez, sans partenaire. Après, faudrait peut-être que je dorme un peu. Ça va peut-être dormir pendant un temps. Pas beaucoup de femelles, hein. Ah, dans les femelles, il y en a pas beaucoup qui sont disponibles. J'ai pas scanné ça. Ouais, on va faire une bonne sieste, hein. Après, je pourrais déjà en refaire. Mais je vais faire une sieste. Bonne sieste. Tout le monde va dormir et peut-être du coup, à un moment, elles vont être fertiles. Après, peut-être à un moment, je vais atteindre le maximum du clan. Donc, faudra qu'il y en ait qui meurent pour que je puisse en faire des nouveaux. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça va être compliqué. Ça va être long. Ça va être très long. Alors. Après que tout le monde ait bien dormi. Une femelle, tu es en couple avec machin. Tu es une femelle. Toi, tu es en couple, tu es enceinte. Très bien. Quoi? Oh. T'es sans partenaire, mais t'as pas de machin. Ouais. Bon, après, quand ils sont gris, ça a aucun intérêt. Ça va être long. Et bah, on va faire en sorte qu'elle soit en... qu'elle accouche. Voilà. On va donner naissance, hein, c'est un point de plus. Peut-être les autres, du coup, vont redevenir fertiles dans le temps. Ça va le faire. Pardon, je passe les vidéos, hein, je me permets. Donc là... Ah... Ah non, à chaque fois qu'il y a un... Hein, quoi? À chaque fois qu'il y a un bébé, j'ai de plus... Ah, plus j'ai de bébés par génération, plus par machin, plus j'ai de points. Cool. Nice. Attends, comment ça se fait que c'est bleu? C'est validé ou pas? Je sais pas. C'est bizarre parce que ça donnait l'impression que c'est pas validé. Tout à l'heure, je le validais autrement. Ouais, non, ça l'a pas validé. Je comprends pas. Je comprends pas trop. Pour passer une génération de... Salut, utiliser ces points pour valider pour la génération suivante. Oui, mais c'est ce que je veux faire. Je valide ça comment? C'est validé là ou... Ah, c'est peut-être bugué parce que j'ai bugué le truc. Y a pas moyen que je trichote un petit peu juste pour... Juste pour que j'ai le truc, non? Ah j'ai l'impression... Ah ça a pas validé tout à l'heure en fait. Ah d'accord, faut que je passe à la génération suivante. Ah d'accord en fait, ok non c'est bon j'ai compris. Oh, wow. Attends, non, il n'y a pas moyen que je triche là pour ça, parce que clairement... Clairement, ça va m'emmerder. Putain, ça va être chiant. Wow. Putain, les textes, le mec qui a fait le cheat, les textes sont en bleu, du coup, c'est... Chiant, c'est que je ne sais pas à quoi ça correspond. Du coup... Get branch filling.
Je vais tenter ça, j'espère que ça va pas me bugger tout. Ah, d'accord, ça valide tout. Bon. Bon, voilà, ça va régler le problème. Je suis désolé, ça va régler le problème, c'est très vache. C'est dégueulasse hein, de faire comme ça, mais voilà. Ça valide ou pas? Je sais pas. Apparemment, ça me dit que ça me trouve bien le renforcement. Donc, ça voudra dire que ils sont... sont tenus. Non, ça valide pas. Ouais, en fait, non, ça fait que les afficher, ça me les donne pas. Alors, celui-là, ce script. Non, je veux pas porter le bébé, ça va aller. Je dirais que c'est bon. De toute façon, si c'est ça, je vais juste faire un bond générationnel, on va voir. Hein. Bon! Eh bien, on va voir où on en est dans ma lignée. Ça va faire 10 heures que j'y suis. La lignée, il y a eu un mort, 18 naissances. Je suis à 29% de prouesse. Voyons voir ce que ça me donne. On va faire un bond d'évolution. Oui. Les neurones et les naissances spontanées n'ont porté par les adultes. Dans les futurs bébés. Oui, tout à fait. Vas-y, vendu. On va voir. Du coup, j'ai fait plein de succès. Du coup, ça m'ajoute des années. Je sais pas trop comment ça marche, mais bref. Je sais pas trop comment... Là, je comprends pas tout, hein, j'avoue. J'ai tué un crocodile. J'ai fait qu'un crocodile tue un phacochère. J'ai trouvé une météorite, tout à fait. J'ai intimidé un mamba. J'ai assimilé les baies. Ça va être long, hein. Ça va être très long. On n'est pas fini. On peut pas passer tout. Si, c'est bon. Allez, vas-y. Donc, j'ai eu des années de prouesse en science, 757 000 années. Et bonus, en avance en temps, je suis en avance de 87 000 années. Évolution plus rapide que la science. Cool. Il y a un mort. Bon. Moins 50, 25 000 années. Bon, ça va. 18 naissances. 90 années, yes. Ok. Alors, grâce au passage du temps, vous avez désormais évolué en ce que nous appellerons dorénavant le Sahelanthropus tachadensis. Après avoir atteint le stade d'évolution d'une espèce, certaines prouesses d'évolution déjà terminées peuvent encore être ajoutées lors de vos prochains bonds dans le temps. Ok. Si vous le dites. Dis-moi que j'ai gardé tous mes trucs et ça me fera plaisir. Juste ça. Juste ça. Genre, pas plus, hein. J'en demande pas plus. Alors. Je suis tout seul ? Hein, quoi ? Je suis revenu ici ? What ? D'où je suis revenu ici ? What ? D'ailleurs, j'avais une ombre ici. Mais what ? Attends. Par contre, fait... alors je vais enlever le truc qui me donnait les points. J'espère que ça a bien marché, putain. Évolution. Quoi ? Ça a rien gardé !
Ah si, ça a gardé tout. Attends. Ici, ça a gardé tout. Ah, presque tout. Il y en a quelques-uns qui ont sauté, hein, quand même. Hein. En vrai. Hein. Et ça, du coup, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je les ai gardés. Oh, ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. J'ai gardé mes capacités. Nice. Ok, c'est bon. Après, de toute façon, je pense que dans les futures générations, j'aurai pas besoin de faire autre chose. J'aurai tout direct. Y a pas un bouton tout déverrouillé, là? Parce que c'est un peu long. Ça, je dis rien, hein. Ça va être un peu long. De tout réapprendre. Du coup, faut que je retrouve mon clan. Parce que là, j'en ai plus. Là, je peux pas si j'ai pas fait celui-là, non? Non. Oui, c'est ça. Faut que je... Il y a quand même un espèce d'ordre. Ouais, du coup, ça va. Ça va, ça va. J'ai gardé tout le stuff important. Je suis content. Maintenant, on va pouvoir travailler. On va pouvoir travailler. Et j'espère reprendre beaucoup d'améliorations. Ce qui serait très cool. Voilà. Voilà, bon, ça pouffe. Voilà. Ça, je peux pas, c'est parce que j'ai pas ça. Mais si j'ai pas ça, c'est parce que j'ai pas ça. C'est compliqué, hein, de retrouver l'ordre des fois. C'est compliqué de retrouver l'ordre. C'est long. Y'a vraiment pas un moyen d'aller plus vite là, de redébloquer tout là, parce que foi, c'est pas chiant mais c'est chiant. Ouf, voilà. Alors, this one je peux pas, this one je peux. Et maintenant en plus du coup j'ai débloqué des nouvelles choses, j'ai débloqué des mutations qui me permettent de apprendre de nouvelles choses, ce qui est cool. Ah non, pas celui-là. Celui-là. Oh là là. C'est vraiment pas très engageant de faire tout ça. Et je pense que je vais avoir des nouvelles capacités à un moment. Quand je vais voir qu'elle va être reliée à des mutations, faudrait que je fasse attention. Pour me dire, tiens, ça c'est un nouveau truc. C'est long, c'est long. Bon, je t'ai bien endormi là? Bizarre, c'est celui-là. Mémoire réflective. Possible de soutenir la position d'un objet ou un imprimant supplémentaire. D'accord, donc va falloir que je regarde si ça m'a donné quoi toutes mes améliorations là. Toutes mes mutations, parce que j'ai pas trop eu le temps de regarder. J'ai pas trop eu le temps de regarder. C'est bon, j'ai tout. Rien oublié. Non, bon. Du coup. Un objet en plus. Là, j'ai absorption de nutriments. Ouh, ok, on va pouvoir travailler. Là, j'ai... Je peux rassembler les membres de l'OCAN et me demander de suivre. Ok. Là, les menaces me font moins peur. Ah oui, j'ai ça aussi à mettre. Alors, on peut la prendre ? Ok.
C'était tout, malheureusement. C'était le seul truc que j'avais. Ouais. Bon. I need to go home. Where is home? Home is where I live. Mais on est d'accord, j'ai plus les singes. Donc faut que je retrouve mon clan, quoi. C'est littéralement ça. Faut que je m'en refasse un entier. Genre, je suis baisé maintenant. Genre, là, faut que je rebosse. Faut que je retrouve tout le monde. Faut que je retrouve des gens et tout. Je sais pas. Perdu. Je suis perdu. Bien, par exemple, avant, je pouvais pas porter les ronces. Maintenant, je puis. Alors ça, voilà, je peux le porter. Ce que je pouvais pas faire avant. Je fais du sport. Je fais littéralement du sport, là. Hein, c'est... Ah bah alors, bonjour. Bonjour, on se connaît. Tu es une femelle. Hein, tu es bugué? Tu n'as pas envie de m'aider? Non, je vais y arriver. Voilà. Une future amie. Non, je peux pas. Après, il se peut que... En fait, le problème, c'est que le jeu bug avec les cheats, hein, ça... Ça bug un peu. Donc il va peut-être falloir que je quitte et que je revienne. Ça va peut-être le faire comme ça. Parce que là... J'ai l'impression que je devrais avoir du monde. Voir du monde en tout cas. Et pour l'instant, je suis en dèche. Donc on va faire une petite save. Ah non, c'est parce que je me suis pas installé. Bon, en vrai, c'est bien ici, moi je dis. Hein. On peut s'installer, moi je dis. Hein. Moi je dis c'est bien là en vrai. La base de départ, elle est très bien. T'as pas besoin de te prendre la tête. Ah oui, mais ça va pas marcher. Voilà, c'est bugué. Oui, donc voilà. Faut que je quitte. Voilà, ça a sauvegardé, c'est pas grave. Bon, hop, je coupe ça. Non, je craque pas, c'est pas vrai. Je digère de la menthe. Je digère de la menthe. Alors, on va regarder, recharger tout ça. Vu que j'ai un peu tout cassé. Ma faute, hein, c'est ma faute en vrai. Je peux pas nier que c'est ma faute. J'ai tout pété. Ouf, faut que je me refasse un clan. Oh. Refaire plein de bébés. Oh, plein de mutations. En vrai, je baille pas. Et du coup, si j'avais voulu tout réapprendre, il aurait fallu que j'aie des bébés pour pouvoir réapprendre le machin et tout ça. La haine. Du coup, c'est mon camp. D'accord. Où je me suis établi. D'accord. Ouais, c'est mon camp. Yes. Bon, du coup, on remet le machin pour m'aider. C'est vrai que j'ai oublié le fait que oui, tu fais un nouveau camp, ça fout la merde. Là, 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 là,
J'aime l'énergie, j'aime être fort. Je suis over monkey. Uber monkey, littéralement. Voilà. I am Uber monkey. Pardon, je fais du bruit. Par contre, du coup, ça veut dire que tous les autres animaux, ils sont revenus aussi, je suppose. Par contre, du coup... Ouais, les évolutions que j'ai eues faites, en fait, maintenant, tout va se baser sur les mutations, quasiment. Sauf que les mutations, c'est pas hyper... pas hyper souvent, quoi. Donc, clairement... Oh là là, faut que je me refasse une famille. Génial. On peut pas appeler les singes, là ? Bon bah on va se refaire une famille hein. Y'a pas le choix hein, c'est comme ça. Bonjour. Non tu veux pas? T'as pas envie? Ok. Bien. Toi. Toi. Manque, je sais pas, tu veux que je mange et tu vas manger aussi. Ah. Donnez. Je donne à manger. Quoi, t'es pas content, c'est pas ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Qu'est-ce que tu veux là? Communique! Tu veux quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah? Je te donne à manger? Non. Je saurais pas te dire. Alors là, savoir ce que tu veux, c'est compliqué, hein. Genre, sans info, je suis pas scientifique, hein. Avoir une info, un truc. Enfin, il n'y a pas un truc qui me permet de savoir. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Je saurais pas dire. Bon, je vais faire autre chose. Je vais aller voir un autre. Là, j'ai aucune idée. Aucune hominidée. À moins que comme je ne suis plus un hominidée, du coup, je peux plus les avoir avec moi. Ah, il a peur. Faut que je le rassure. Paul. Bien. Next. Besoin d'un autre. Besoin d'un autre... un autre. Oui, j'en avais vu trois. Dans les feuillages. Toi, t'es... Là-haut. Ah merde, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi le jeu. Non, 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 je veux pas changer ton nom ni rien. Je me suis gouré, c'est tout. Allez, on va aller chercher l'autre. J'espère que t'es prêt. Nanani naner, nanani naner. Apparemment, c'est pas sur cet arbre, ce serait plutôt sur celui-là.
On va essayer d'y aller tranquillou. Refaisons le clan. Il devrait y avoir plus de singes hein, après tant d'années. Hein. Ça devrait avoir peuplé. Ça devrait pas être aussi peu et aussi nul. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien? Tu veux un soin, c'est ça? T'as mal. J'ai un truc pour te soigner. Oh, tu fais chier. Bon, on va descendre en bas. Hein. Alors, vas-y. Où est-ce qu'il y a du soin? Déjà. Ouais, un serpent. On va se le faire! Je vais te bouffer! D'où? Viens là, pas le bait. Voilà, en mai. Voilà, je t'ai battu. T'es un steak. Bon, est-ce que c'est ça qu'il faut que je lui donne? Globalement, j'aurais dit ça. J'ai perdu. L'ai perdu de vue, merde. Chiotte. Il est où? Il y en a un là-haut. Dis-moi que c'est cet arbre. Et dis-moi que c'est ce qu'il veut. Si c'est pas ce qu'il veut, je vais pleurer. Je sens que ça va être complicationné. De retrouver tout le monde. Enfin, de retrouver une populace. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que t'as? Tu veux que je te donne? Hein? Je te donne ça? Non? Vomi. T'as pas bien mangé. Je te donne de la bouffée? Oh là là, c'est compliqué. je te donne un fruit là. Ah, c'est ça que tu veux? Dis-moi que c'est le truc qui est juste à côté de toi. Ça me fasse rire. C'est toi tu ventes? Non. Oh, tu tues. Tu veux notre coco? Une fibre de machin là. Tout ça, je peux t'en donner une, hein, en soi. Allez, on va manger ça déjà. Neuron activation. Voilà. Merci. Alors, là-haut. Ça. What you want? Is this what you want? Je sais pas. Non. Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut? Il a l'air malade, mais... T'es malade, qu'est-ce que je peux te donner?
Tiens, je vais essayer d'aller faire l'autre là-haut. Est-ce que l'autre là-haut, c'est pas celui que je voulais faire tout à l'heure? Ah, ça va faire mal. Chérie, ça va couper. Ça va couper, chérie. Tchoum. Pardon. Tchoum. Oh là, c'est chiant de récupérer les gars. J'ai pas toutes les animations, je me rappelle plus de qu'est-ce qu'il faut que je... Oh, la voie lactée, elle est magnifique. Ça, c'est un rêve de pouvoir voir ça aussi beau. Tellement magnifique. Alors, voilà, je vais là. Voilà, toi, t'es là. Toi, t'es celui-là qui voulait ça. Non. Alors, est-ce que tu veux une noix de coco? Tu veux une noix de machin là? Oh là là, j'ai raté. J'ai raté. Oups. Oups. Je me suis raté un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais te donner ici? Une plante comme ça? Je te donne ça? Pas trop. On va voir. C'est chiant! Ramasser les gens là, c'était bien le début là, la première génération. T'avais tout le monde avec toi, que là je comprends pas que t'es pas un clan encore. Genre c'est... Il devrait y avoir un clan, il doit encore en exister, ils sont pas tous décédés dans la minute. C'est vrai quoi. Ils sont pas tous dead. T'es où déjà? Pardon, je suis perdu. Où es-tu? Où es-tu? Je suis perdu. Tu es là, pardon. Excuse-moi. Que c'est ça que tu veux? You want that? Non. Je veux savoir c'est quoi, comment on les a... Parce que... Comment jouer? Alors, c'est un peu ça, mais c'est surtout... C'est surtout comment on fait. Alors, non, restauring, c'est un truc. Non. Voilà, comment le dire? Donc alors, je dirais qu'il y en a un, c'est le poison. Et le poison, c'est comment qu'on le... Le remède.
Il me faut un escargot. Ou comment on fait de la honey? Comment j'ai du miel? Ah, il me faut un machin, il faut que ça... Non, non. Ok, bon. On va essayer de le faire. Alors, il me faut du miel. Allez, direction le sol. I need honey. Honey senpai. Bon, du coup... Faut que j'aille auprès de la rivière et que j'ai un machin. Tiens, d'ailleurs, je veux bouffer le serpent. Ça. Y a un caillou pas loin ? Voilà, il y a un caillou pas loin. On va manger le serpent. On va manger du mamba. Ça va faire du bien. Putain, c'est long. Non, je voulais manger le mamba, voilà, merci. Ou indigestion, rien à foutre. Faut évoluer, faut manger tout. Voilà. Oh. Du coup, maintenant, faut que je prenne un bout de ça. Que je lâche mon caillou et que je transforme ça. C'est pas comme ça que je voulais le faire. C'est pas ça, en fait. Il me faut... C'est pas un bout de cette plante, je sais plus. Un bout de ça, non ? Ouais, je la faire. C'est une plante comme ça, non? Ouais, j'en ai pris plusieurs, là, non? Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Il me faut ça, et il me faut du miel. I need honey. Honey, I'm home. Où est-ce qu'il y a du miel? Il doit pas y en avoir très loin, s'il est là, paniqué. Il doit pouvoir avoir du miel dans des recoins pas trop chiants. Non? J'ai besoin de miel. J'ai besoin de miel. Et sinon, c'était quoi? Du miel, une coconut ouverte, ou une grosse escargot. D'accord, donc en fait non, je peux peut-être trouver un escargot. Ça irait peut-être plus vite. Après, si je fais le truc avec le miel, ça m'arrangerait parce que je l'ai jamais fait. Pas du miel là-bas? Non. Ah. Bon. Laissez tomber le caillou. Gros escargot. Bon. Maintenant, retournons voir l'autre là-haut. Qui, si je me trompe pas, est là-haut, là-haut. Je suis là. Je crois que c'est toi.
Non, ça doit pas être celui-là. Je sais plus. Compliqué, hein, tout ça. Compliqué, compliqué. Il faut vraiment connaître les trucs, hein, parce que si tu le connais pas, c'est mort. Il est pas là? Si. Alors, dis-moi que c'est ce que tu veux. Fais-moi plaisir, dis-moi que c'est ce que tu veux. Ah oui. Oh oui, merci. Te soigne. Putain. C'était pas chiant. Bon. Maintenant, définissons le prochain. Next one. Next one, next one. J'ai pas mal. Enfin. Bon, faut que je sache qu'est-ce qu'il veut. Mais l'autre, il est pas venu avec moi. Mais. Il est resté là où il était parce que je l'ai scanné. Viens dans mon crew. Viens là. Oh putain, il est là-bas. Ah, j'en ai marre. Compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Tu veux pas venir, par exemple. T'appelles. Voilà, viens là. Lui, ou est-ce que ça c'est un autre? Non, ça c'est un autre. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? C'est quoi son animation? Il vomit. Il vomit. Bon, il vomit. What does he want? Donc il est empoisonné à la food. Comment le remède? Il faut que je lui donne des champignons. Ou du kelp. Ah, d'accord, oui. Ouais, bah, un champignon. Hein. Champignon brun. Ok. Faut que je trouve des champignons bruns. Je vais arrêter après ça parce que là. Attends, que je me mette dans une position où je peux naviguer. I need mushroom. Where is mushroom? On va voir quelque part. Les mushrooms. C'est plante. Descends. Kawabunga! Casse-toi trois pattes. Car je me casse les pattes. Est-ce qu'il y a un danger dans les alentours?
C'est quoi ça? C'est un facochère. C'est dangereux, mais ça va. Ça se fait encore. Ça peut, je peux encore lui ratatiner la tronche un petit peu. Lui faire peur. On est en groupe. Ça devrait le faire. Voilà, on a intimidé un facochère. Bien joué. Bon. I need champignonnade. Sinon, je dois refaire un bâton pour. Pour fouiller sous les rochers. Un bâton. All bait. Quoi ça là-bas? Attends, là-bas. Il y a un tigre. Non, ça me fait cocher encore. Rocher soulevable, là. Là, il y a des choses. Où ce rocher? Ah, bien. À toi, t'as inventé. Petit agaric. Allez, du coup, on rapporte ça à l'autre qui est Perlin Pimpin là-haut. Ils font. Ils mangent. Bon. Allez. Allez soigner l'autre. Où t'es? Là-haut. Allez. On y va, on y va. On va manger ce qu'il faut. Normalement, ça devrait le faire. Bon. Bon, je vais pas tarder trop, parce que tout seul, bon. Ça me dérange pas de commencer tout seul le jeu et que du monde arrive. Là, continuer tout seul, au bout d'un moment, faut que je me motive hein, dans la durée. Allez, ça que tu veux. C'est pas ça que tu veux. Mais je croyais que t'as... T'en as rien à foutre? Toi t'es bien? Bon attends, si c'est pas ça que tu veux quoi? T'as aucun défaut là ou... T'es bugué? Il est bugué hein.
Il est bugué. Bon. C'est cool. Ça fait plaisir. Ou alors c'est pas ça qu'il voulait. Auquel cas, je vais chercher un champignon brun. A voir. Je peux en trouver. Champignon brun. Ah, c'est quoi, c'est une noix de coco ça? Non, attends, je vais en regarder une. Parce que les noix de coco ont l'air de faire vachement de taf pour beaucoup de choses, donc on va en checker une. Un caillou. Bon, la branche, je le ferai plus tard. Un caillou. Un petit caillou. Voilà. Non, c'est pas fini. Ah si, c'était fini. Merde. Je suis un con. C'est pas grave. Bon, recommençons. Bon, tournons voir l'autre con. C'est ça que tu veux. Un moment, à tout avoir, hein. Je vais te refaire, hein. Ça va pas être compliqué, hein. Parce que ce serait bien d'avoir le maximum de gens quand même. Direct. De prendre tous ceux qui traînent. Ça va pas? Allez, dis-moi que tu vas apprécier ça. Non. Ouais, parce que ça, c'est pas ça. Bon. J'en ai un peu marre là, clairement. Clairement, vous me tuez mon envie. Clairement, vous me pétez les couilles. Donc. Où mon petit bâton? Il était par là normalement. Clairement, vous me pétez les noises. Je commence à en avoir marre. Donc on va dire merde. Parce que là ça me saoule de tout faire. Je pense que je reprendrai une prochaine fois, hein. Voilà. On va aller se coucher. Et ce sera déjà pas mal. Et l'autre là-bas, qu'est-ce qu'elle veut? Parce qu'elle bouge pas. Donc je sais pas trop quel est l'intérêt du... Quel est le problème de cette personne. De cette hominidée. Et là, elle fait rien. Elle bouge pas. T'as quoi comme interaction? T'es figé. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je vois qu'il y a rien en fait, c'est ça le pire. Je sais pas. Bon, pot de zob, hein. Voilà, j'ai déjà deux personnes, on va rentrer. Voilà, ça me fera plaisir. Je vais porter un truc parce que ça me fera travailler ma motricité et autres. Juste pour le lol. Ça me fait rien. Je peux le faire. Mais clairement, non, c'est bon. C'est chiant, là. C'est chiant de checker. La limite, je dis pas, je vais checker un dernier truc. Avec un bâton sous un rocher, mais... Bon, quoi. Bon, termine l'expédition. Voilà. Il y a du monde en plus. On est copains. Voilà, on est copains. Bon, maintenant. C'est tous les deux, là. Que je peux m'accoupler avec quelqu'un de vous? Non. Tu es fertile. Mais... Pas si je suis une femelle, non, je suis un mâle. Alors, on va faire un bébé tout de suite. Parce que ça va peut-être reset certains trucs. Ou ça m'arrange. Ça va peut-être reset certaines choses. Ce qui serait bien. Voilà, nouvelle gestation. Alors, dans les trucs. J'ai bien mangé. Accoutumance au mycène, tout à fait. Possible d'être immunisé contre les empotements et les blessures à plus longue durée. Yes. Ok, ok. Bon allez, donne naissance, ça m'arrange. Nouveau bébé. Du coup ce baby il fait quoi? Il est encore fertile? Bien joué. Faire des mutations. Donne naissance. Bébé avec une mutation génétique spontanée. Le campement. Yes. Vendu. Donc pour le prochain coup, il l'aura. Vendu. Du coup. Oui, je voulais tester une dernière option qui est. Attends, le bâton qui était par terre, normalement, là. Alors, sous un rocher. Bienvenue tous. Ça va vous occuper. Ça va vous occuper de me regarder faire. Alors, est-ce que toi, là-bas, tu veux des champignons bleus? Ah, au pif. T'as mal au bras, apparemment. Non. T'as mal au bras. Si t'as mal au bras, t'as quoi? T'as... Injured. Toi, il te faudrait le machin comme ça. Bon. Normalement... Ou... I. Remède préventif. Nice. Si j'ai bien compris la manœuvre, toi, t'as besoin de la plante dans le marais. Enfin, dans l'eau. Ce truc-là.
Toi, t'aurais besoin de ça. Ça, ça te guérit, normalement. Ou alors, faut que je te le donne en pâte. Il n'est pas très long à faire. Allez, dis-moi que c'est ça. Dis-moi que c'est ça ou sous cette, ou l'autre forme. Non. Ok. Je lâche ça. Voilà. Do you want that? Parce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il lui faut, putain? C'est pas ça que tu veux. Voir ton physique. Qu'est-ce que t'as? Hein? Dis plus rien. Va te faire mettre. Hein? Va te faire mettre. Voilà. Pas ce qu'il veut. Une patte, genre transforme un caillou. Ah, il est déjà fait ce caillou. Attends, je prends une plante comme là-bas. C'est un caillou taillé ou c'est pas un caillou taillé mon truc? Je sais pas. Mais c'est ça qu'elle voulait, elle était juste à côté. Mon dieu. Mon dieu que tu vas me saouler. Mon dieu que tu me tues. T'es fertile? Bah tiens, tu vas vite être avec moi. Oh là là. Mon dieu que c'est chiant. Allez, on va faire la reproduction. Est-ce qu'il n'y a pas des singes? Des trucs spéciaux, Non. Non. Bon. Toilette. Voilà, allez. T'es pas fertile. Non, t'es plus fertile. Bon. Allez, ramène ton cul. On va copuler. Et on va faire des bébés tout de suite. Tout de suite now. Voilà. J'aurais dû faire mon évolution, c'est pas très grave, je peux le faire après. Voilà, nouveau bébé. Immunisé contre les hémorragies plus longtemps. Nice. Immunisé contre les intoxications. Nice. On s'accouple à nouveau. Est-ce que l'autre je peux? Toi tu n'as pas de partenaire, c'est triste hein. Triste, mais j'en ai rien à foutre.
Tac, nouveau bébé. Est-ce qu'il a une petite modif? Non. Rien. Oh. Fermez l'expédition. Voilà. Tout le monde est content. Bon, là je pense que je peux plus faire de petits. Que deux. Que deux. Bon allez, j'arrête. C'est bien, mais j'arrête. Allez, on va aller se coucher. Bonne nuit les gens. Puis tout ça. J'ai pas d'autres trucs à dire. Oh, c'est compliqué ce jeu. Oh. Mais bon, c'est sympa quand il va bien, mais bon. Voilà. Des bisous, bonne nuit.